Normalement il passe par là. Je vais les mettre mort tout de suite pour pas qu'ils se fassent int. Au cas où, comme ça tu n'as pas besoin de commencer eux, tu vois, s'ils arrivent et tout là. Tu vas lui donner 40 gold, tu dois back. On va pas avoir la transi level 2 du coup. Mais la Samira est allée sur le clone qui était du coup... Ok, donc elle a jamais joué contre une Nico. C'est l'avantage. Hein. Ça c'est du gros outplay ça par contre. Quand tu joues Nico, ce genre de bait fonctionne une seule fois. Après, tu dois... Sivir, on savait. Ce genre de bête fonctionne une seule fois dans le sens où après ils vont faire attention. Il a wardé ou pas? Ça sert à rien de la voir elle en fait. Oh, j'ai troll. Oh, j'ai giga troll, putain. J'ai oublié qu'ils avaient des dégâts, putain, je suis trop con. Ils peuvent peut-être faire un truc, hein. J'ai 3 là. My bad. My bad ici. Le E va pas fonctionner. Je pense que le Echo s'est fait bait avec la zone du E de Lux, mais elle pouvait pas la réactiver. Nice. Oh, je suis content de mourir là. Hein. Oh là là, tout ça, c'était un bait. Oui les amis, ce n'est pas mal joué. En fait j'ai forcé, ferme-la, j'ai super mal joué. Oh putain, vous voyez ce qu'il vient de se dire ici là? Ça, c'est 80% de mes viewers. Ça, c'est moi qui essaye d'expliquer aux viewers comment ça marche. Et à la fin, t'abandonnes quoi. Il y a très peu de viewers qui comprennent le système de MMR. Genre là, je pourrais mettre dans le titre, on est deux plates à la botlane qui explosent des masters. 80% vont se dire, damn, ah, vous êtes trop chaud pour des plates. Le MMR est tellement chiant à expliquer pour ceux qui comprennent pas qu'on abandonne en fait. Y a tellement de gens, vous imaginez même pas le nombre de gens qui pensent que j'ai un niveau gold, plate ou l'odium genre. Mais c'est des gens qui jouent soit pas souvent au jeu, voire jamais, soit ils font exprès, soit... C'est peut-être un peu grave. Bon bah GG hein. La game était cool hein. La game était cool parce que bah, le jungler a joué beaucoup bot et fallait jouer bot. Hein. Il y avait une Lux. Il faut punir la Lux. Elle est trop facilement punissable. Le Echo était bien en dessous de mon jungler, donc c'est pour ça qu'on a gagné. Ok, petit message de fin, désolé. Le jungler en face, c'était Nightblue, qui est plusieurs fois challenger. Et du coup, désolé, c'était pas, c'est pas ce que je voulais dire. Ça arrive de se faire gap. Des fois, c'est un problème d'équipe. Des fois, t'as pas de chance. Voilà, des bisous. Ciao! Et on finit aujourd'hui avec le sponsor de la vidéo qui est Instant Gaming. Instant Gaming est un site où tu vas pouvoir acheter tes jeux digitalisés les moins chers sur le marché. Ils ont un catalogue extrêmement bien fourni avec des réductions vraiment insane. Sur PC, PlayStation, Xbox ou encore Nintendo, ils ont énormément de jeux et sur plein de plateformes différentes. Par exemple, The Last of Us qui va bientôt sortir sur PC, il est déjà à moins 29% en précommande. Bref, si tu cherches un jeu, fonce tout de suite sur Instant Gaming. Et si t'as pas d'argent à mettre pour l'instant, ne t'inquiète pas. Il y a aussi dans la description un giveaway qui va te permettre de choisir le jeu de ton choix. Bonne chance et à la prochaine. Ciao.